Moi déjà je pense que le principal c'est quand même les éducateurs, la motivation des éducateurs. C'est vrai que on a réussi à obtenir une certification de la Fédération française en excellence au niveau de nos jeunes. Tous nos éducateurs sont motivés, ils sont aussi formés pour ça. On est tous des amateurs, hein. On n'est absolument pas professionnels, mais on a vraiment, vraiment l'envie de bien faire. L'envie d'accompagner nos joueurs pour que quand ils repartent du stade, ils soient vraiment meilleurs que quand ils y sont rentrés. Hein. Après, c'est vrai qu'on a aussi des locaux qui donnent envie quand les jeunes viennent jouer, effectivement, ils voient qu'on a des locaux peut-être un peu plus joli que les ceux d'à côté, ça, c'est vrai que ça peut motiver aussi. On a deux terrains synthétiques qu'on entretient très bien. Oui, après, c'est comparé aux autres clubs à côté, les petits villages, c'est souvent des terrains difficilement praticables. Comparé aux nôtres, on a des synthétiques, que ce soit en été, en hiver, on a toutes les conditions pour bien faire. Bon, après, on est un club qui est bientôt centenaire, 1927. Effectivement, là où on fait un petit peu notre promotion, c'est surtout quand on organise des événements chez nous. Mmh. On a un gros tournoi, par exemple, U11 U13, mmh. où on demande à beaucoup d'équipes du coin de venir. C'est carré, c'est organisé. Après, on a la chance d'avoir une équipe de U15 en régional depuis une dizaine d'années maintenant. Ça joue aussi forcément dans le fait d'attirer les jeunes. Notre équipe première est aussi en régional 3. Donc effectivement, ça amène aussi des nouvelles personnes au niveau des seniors. Je pense que ça permet de nous démarquer par rapport aux autres. D'accord. Et ça, moi, je trouve que ça se confirme dans le fait que, effectivement, bah, par exemple, cette année, il y a une nouvelle personne en senior qui est arrivée, qui vient de Bourg, qui fait le déplacement. Et il m'a dit que comparé à son ancien club, effectivement, nous, on avait l'envie de bien faire, on faisait des belles manifestations, il y avait une bonne ambiance dans les vestiaires, et ça change de ce qu'il avait avant. Et c'est vrai que on essaye de faire en sorte de vraiment, vraiment, de faire en sorte que nos licenciés, ils se sentent vraiment bien.